Donc, monsieur, vous êtes propriétaire. Attendez, attendez, vous êtes EDF d'abord, c'est plus EDF, on dit Engie d'abord. Non, non, monsieur, ah, ça n'a rien à voir avec votre contrat, c'est-à-dire, monsieur, chez qui. Donc là, on parle de votre partie interne. Non, 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 c'est Engie, c'est plus EDF. EDF, c'est fini. Monsieur, un instant, s'il vous plaît, monsieur. On ne parle pas de votre c'est-à-dire contrat chez Engie ou bien chez EDF. Vous avez dit que c'est EDF qui m'appelle. Monsieur, un instant, je parle, monsieur. Donc, vous êtes en train de me raconter des carabistouilles, là. Pardon, monsieur. Vous êtes en train de me raconter des carabistouilles, c'est pas EDF. Non, non, monsieur, non, monsieur. C'était une campagne d'information déjà lancée par EDF pour, c'est-à-dire, vérifier les installations électriques chez les propriétaires, monsieur. D'accord? Ah, ben, monsieur, ah bon, si vous étiez, si vous étiez vraiment EDF, attendez. Oui. Le numéro là, pourquoi le numéro là il appelle, quand on l'appelle, ça sonne, le numéro que vous avez n'est pas attribué. Le numéro que j'avais composé n'est pas attribué. C'est bizarre. Non, c'est pas attribué, monsieur. Il n'est pas attribué votre numéro. Sur votre téléphone. Il n'est pas attribué votre numéro. Votre numéro n'est pas attribué. Téléphone ne s'affiche pas, monsieur, sur votre téléphone, monsieur. Mais d'habitude, monsieur, il s'affiche sur les portables, monsieur. Donc, oui, monsieur, donc si vous êtes propriétaire, vous êtes toujours concerné, puisqu'on parle de votre sécurité sur le plan électrique. Surtout qu'on parle de votre partie interne, monsieur, dans le tableau et l'installation électrique. Donc, monsieur, vous êtes propriétaire. Vous devez le savoir si vous êtes Engie. Monsieur, c'est pas Engie, s'il vous plaît. Alors, monsieur. Vous êtes qui? Et ce sont des informations confidentielles, on n'a pas accès à ces informations-là, monsieur. Ah, vous êtes pas EDF, vous êtes pas Engie, vous êtes qui alors? Monsieur, je viens de me présenter du service d'information EDF. Monsieur. C'est pas vrai. C'est un service parmi les services de l'EDF, monsieur. Est-ce que vous connaissez tous les services de l'EDF, monsieur? EDF? L'EDF n'existe pas, c'est Engie. Mais putain, elle est bête ou quoi?